Hi, hi, Salut, hi. salut, salut, bonjour. Que Dieu soit loué, gloire à Dieu. My name is Jacqueline Juma. Mon nom est Jacqueline Juma. Most people call me La plupart des gens m'appellent Jackie. I'm originally Je suis originaire Kenya, du Kenya. But I live in the United mais je vis States of America, aux États-Unis, à l'état du Connecticut. J'ai rencontré l'homme de Dieu, le prophète Joël Lutuka, à travers une de mes cousines, qui est au fait plus qu'une cousine pour moi. Elle est comme une sœur. Son nom est Jakimbala, donc c'est mon homonyme. Alors, je pense que j'ai rencontré l'homme de Dieu en 2018, lorsque j'étais impliqué dans un accident de voiture. J'étais en train de conduire depuis New York et j'étais avec mes deux filles. Et nous étions impliqués dans un accident de voiture lorsque nous rentrions à la maison au Connecticut. J'ai eu certaines blessures et j'ai dû subir une intervention chirurgicale. Et dans le moment de préparation de l'intervention chirurgicale, il y a plusieurs tests, ainsi que des tests sanguins qui ont été réalisés. À un certain point, on m'avait même dit qu'il y avait quelque chose de suspect qui avait été remarqué dans l'un des tests et je devais être envoyé également auprès d'un oncologiste alors que j'attendais également une intervention chirurgicale au niveau de l'orthopédiste. Et j'en ai parlé à ma famille ainsi qu'à Jackie. Elle m'a dit qu'elle allait demander à l'homme de Dieu de prier pour moi. Et c'est à ce point-là que j'ai commencé à entendre parler de l'homme des yeux et ma cousine me disait qu'il priait pour moi, qu'il priait pour moi. Et la fois prochaine, quand je suis allé rencontrer l'oncologiste, il avait demandé que certains tests soient réalisés et là, surprise, tout était négatif. Et il m'a dit que je n'avais pas de cancer du tout, je n'avais pas des cellules cancéreuses dans mon corps et que j'étais totalement en bonne santé, que je pouvais partir. Et j'étais parti, j'ai subi l'intervention chirurgicale qui était également un succès. Après quelques temps, je suis reparti au travail. Donc, j'avais omis de vous dire que je travaille en tant qu'infirmière. Je travaille dans un centre hospitalier de longue date qu'on appelle Maison des Retraites, ici au Connecticut. Je travaille, je fais également d'autres choses. Je vis avec mes deux filles ici à Waterbury et je travaille dans une autre cité au Connecticut. Alors, l'année dernière, nous étions en train de suivre les informations au sujet du COVID-19. Nous avions appris que c'était en Chine. Et en effet, pour des raisons tout à fait étranges, je ne pouvais jamais imaginer ni penser que ça pouvait atteindre les États-Unis d'Amérique. Alors, la vie suivait son cours et ça n'a pas pris longtemps pour que nous puissions entendre aux nouvelles qu'il y avait quelqu'un qui avait été, des personnes qui avaient été testées positives au niveau de l'État de Washington, au niveau de la côte ouest des États-Unis d'Amérique. Moi, j'ai vu au niveau de la côte est. Donc, cela ne nous a pas tellement préoccupés parce qu'on se disait que c'était vraiment éloigné. C'est ce que nous pensions. Alors, après un moment, il a été rapporté dans les nouvelles qu'il y avait des personnes qui avaient été testées positives à New York. C'est après quelques temps que New York est devenu l'épicentre du COVID-19 aux États-Unis d'Amérique. New York est seulement à 2 heures de là où moi je vis. Et même il y a des personnes qui travaillent à New York, mais qui vivent à Connecticut. C'est là que j'ai vraiment eu peur. J'ai même écrit cela sur Facebook. J'ai dit que cette chose est à New York. Et le nombre est vraiment effrayant. Que Dieu nous protège. Ma cousine Jackie l'a vu et elle m'a dit, je vais prier pour toi. Et je vais également demander à l'homme de Dieu de prier pour toi. Et les cas ont commencé à se multiplier, Et la prochaine chose que j'avais entendue, c'était que Connecticut a aussi enregistré certains cas. Et la chose qui avait suivi, c'était les écoles qui étaient fermées, les enfants devaient rester à la maison. Alors, en tant que travailleur indispensable, je devais aller travailler. Et je le savais que c'était une question de temps avant que je ne puisse rencontrer ou prendre soin de quelqu'un qui serait atteint du COVID-19. Alors, je suis allé au travail. On nous disait qu'il n'y avait pas de cas de COVID-19
au niveau du travail. Et si vous, les gens, vous suiviez ce qui s'était passé, on n'avait même pas d'équipement de protection. On nous avait simplement donné un seul masque et pris des lunettes de protection et on nous demandait de réutiliser les masques. Et je suis allé au travail et la première semaine d'avril, je suis allé travailler dans un étage où je ne travaille pas habituellement. Et alors, et lorsque je suis allé travailler, j'avais une pause le mercredi. Donc, après avoir travaillé le week-end, j'avais observé une pause le mercredi. C'est alors que j'ai commencé à tousser. Et là, j'étais comme en me disant, c'est vrai qu'il n'y a personne qui a le COVID-19 dans notre centre de retraite. Tout ira bien. Donc, le jour suivant, le jeudi, parce que je travaille la nuit, c'est là que j'ai appris qu'il y avait quatre personnes dans l'étage où je travaillais durant le week-end qui avaient été testées pour le COVID-19 et une d'elles a été testée positive et les trois autres, leur résultat était en attente. Et en effet, je continuais à avoir la toux, j'avais du rhume et j'ai envoyé un message à nouveau à ma famille et je leur ai dit, vous savez quoi, je viens d'apprendre que j'étais en train de m'occuper des patients qui avaient été testés positifs au COVID-19 et l'un d'eux a été testé positif. J'ai appelé mon médecin le jour qui suivait le 10 et il m'a demandé d'aller pour que je puisse me faire tester. Je suis allé me faire tester et je devais attendre pour les résultats. Je les ai obtenus deux jours après et c'était le 12 avril. Et ma cousine continuait à me dire que tu es couverte, tu es protégée. Et lorsque j'ai obtenu mes résultats, c'était les premières personnes auxquelles j'ai envoyé mes résultats. Le message était le suivant, j'avais été testé positif au COVID-19. J'ai pleuré, j'étais dévastée, j'avais si peur. Et ma cousine m'a appelé, elle m'a dit, tu sais, rien de mal ne t'arrivera. Nous continuons à prier pour toi, l'homme de Dieu est en train de prier pour toi. Et elle m'a demandé les photos de mes filles parce qu'il avait déjà envoyé à l'homme des yeux ma propre photo. C'est alors qu'après quelques jours, j'ai vraiment obtenu la virulence de toute l'attaque du COVID-19. J'étais si malade, je n'ai jamais été autant malade toute ma vie. J'avais cette fièvre horrible, ma température augmentait jusqu'à 100,9 Fahrenheit. J'étais malade, je vomissais. Imaginez, donc la seule bonne chose était que mon système respiratoire n'était pas affecté. À un certain point, je vomissais pour même deux jours consécutifs. Je devais être hospitalisé. On a mis la perfusion sur moi. On m'a dit que mon système respiratoire et les voies respiratoires étaient en bon état. Et ils m'ont renvoyé après 12 heures à la maison. Je suis rentré. Jackie continue à prier pour moi. Elle continue à me dire, l'homme de Dieu est en train de prier pour toi. Je lui ai dit, envoie-moi les vidéos des guérisons de l'homme de Dieu et tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai été guéri, j'ai été totalement guéri. Je me sens bien, comme vous pouvez le voir. Je donne toute la gloire à Dieu. J'aimerais dire merci une fois de plus à l'homme de Dieu pour avoir prié pour moi. Je viens du Kenya, d'où, vous savez, normalement, la plupart du temps, les cas des prophètes que nous, ou les personnes qui se réclament être prophètes, ils demandent toujours de l'argent avant qu'ils prient pour vous. Mais dans ce cas, il ne m'a même pas demandé de l'argent. Il ne m'a jamais rencontré. Il a juste entendu parler de moi à travers ma cousine. Mais il m'a confié, moi ainsi que toute ma famille, entre les mains de Dieu. Et j'ai été guéri. Et c'est vrai que malheureusement, des gens qui ne sont pas sortis, comme une de mes collègues qui est morte, et il y a des milliers de personnes qui sont mortes et qui sont en continuant de mourir suite à cette maladie horrible. Je dois vous le dire que vous devez placer votre confiance en Dieu. Vous devez suivre les vraies personnes. Vous devez suivre les vrais serviteurs de Dieu qui peuvent prier pour vous, qui peuvent vous orienter et vous emmenant entre les mains de Dieu. J'aimerais juste souligner ceci, COVID-19 est réel, c'est dangereux, c'est horrible. Gardez-vous, protégez-vous et continuez de prier. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.